Eh bien, c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir le pack Terminator gratuitement sur Warzone. Il y a des façons d'avoir pas mal de choses gratuites actuellement en jeu et le pack Terminator fait partie de ces choses qui sont à récupérer totalement gratuitement sur Warzone et on va en parler aujourd'hui. Mais bon, chers amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de tutos, de news qui vont arriver sur Warzone et sur Call of Duty en général, donc c'est pas rester connecté en vous abonnant à cette chaîne YouTube, mais également vous avez en description ma chaîne Twitch, on en live pratiquement tous les soirs et on joue ensemble sur Warzone, donc c'est pas à venir nous rejoindre en live sur la chaîne Twitch qui est en description. Vous avez aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas à les suivre pour booster un max de ma chaîne. En tout cas, merci à toutes les personnes qui suivront et qui s'abonneront à la chaîne Twitch pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Alors, comme je dis, vous pouvez récupérer donc le pack Terminator gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez qu'on a une nouvelle épreuve de Titan Endurance. C'est l'événement Terminator qui est arrivé en jeu actuellement. Nous, on va aller regarder plutôt du côté donc du deuxième onglet où il y a écrit 2T. C'est quoi Titanium Trials Endurance? Donc c'est là où on va pouvoir donc récupérer un maximum de récompenses d'un pack complet Terminator totalement gratuit. Donc vous avez des jetons de double XP, vous avez du revêtement également, hein, donc Titan chromé en tant que camouflage. On a d'autres récompenses à récupérer également, donc des cartes de visite qui évoluent en fonction de leur obtention en fait simplement, et on a également un jeton donc pour passage de niveau x1, donc pour le pass de combat. Plus on a à droite donc le bonus métallique métal liquide en termes de camouflage légendaire. Donc vraiment on a pas mal de choses à récupérer ici, et donc il faudra faire comment pour récupérer ces fameuses récompenses? Il faudra tout simplement faire différents défis dans le mode bien évidemment Titanium Trials Endurance. Donc on va devoir aller faire donc différents défis. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 récompenses à récupérer dans ce pack là qui est totalement gratuit, je vous le répète, puisqu'il faudra uniquement donc par exemple terminer une exécution dans les épreuves de Titan Endurance pour avoir donc juste terminé une exécution, donc pour avoir le jeton double XP de passe de combat. Ensuite il faudra réanimer 10 joueurs dans les épreuves de Titan Endurance pour avoir le double XP d'armes. Pour avoir le camouflage, il faudra gagner dans le goulag 5 fois dans les épreuves de Titan Endurance. Ensuite, pour avoir les cartes de visite, la première carte de visite qui ressemble à ça, donc la première qu'on a vue avec uniquement le Terminator qui est dessus, on a donc finissé dans le top 10 une fois dans les épreuves de Titan Endurance. Ensuite, pour avoir la deuxième avec donc deux robots sur la carte de visite, donc je sais pourquoi tu pleures, on faut gagner une fois dans les épreuves de Titan Endurance. Ensuite, il faut gagner deux fois pour Je ressens les blessures avec donc plusieurs robots sur la carte de visite, gagner deux fois dans les épreuves. Ensuite, pour la dernière, il faudra gagner 3 fois, donc faire 3 top 1 pour donc pouvoir avoir la carte No Problemo avec énormément cette fois-ci de robots sur la carte de visite, et ainsi donc vous pourrez la récupérer en faisant ce défi là. Donc en réalité vous devez gagner donc une fois finir dans le top 10, une fois finir le top 1, une fois finir deux fois le top 1, et ensuite terminer avec 3 fois, faire 3 top 1 dans le mode épreuve du Titan Endurance pour donc débloquer toutes les cartes de visite. Et vous avez également gagné 4 fois dans les épreuves de Titan Endurance pour avoir le passage de un niveau dans le pass de combat. Vous voyez que hop là, dans le pass de combat, on va regarder, est-ce qu'on a des jetons gratuits nous de notre côté ou pas? Non, on n'a pas de jetons gratuits, mais en tout cas, là par exemple, je suis niveau 54 grâce à ce jeton là. On va passer niveau 55 au début du niveau 55 avec vraiment un niveau complet. Vous l'aurez affiché donc à la place de acheter le pass de combat, vous aurez donc passé un niveau. Quand vous appuierez sur carré, vous pourrez automatiquement passer un niveau gratuitement sans avoir besoin de gagner de l'XP. Ça, c'est quand même assez intéressant. Après, voilà, faudra jouer quand même pas mal de fois dans ce mode là. Et ce mode là, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le mode épreuve de Titan Endurance. Et qu'est-ce que donne ce mode là? En fait, armure renforcé, butin repensé, pas d'équipement gratuit. Êtes-vous plus fort qu'un robot, qu'une machine? Qu'une machine, c'est le mode comme ça. Donc normalement c'est le mode Caldera, c'est le mode normal Caldera, mais avec donc vraiment armure renforcée, pas d'équipement gratuit, donc pas de caisse également. Et vous devrez donc réellement faire votre game en mode réaliste, on va dire vraiment en mode survie. Il y aura pas de mode aidé, en mode il y a une caisse qui tombe ou quoi que ce soit. Vraiment tout est payant, tout est plus compliqué, vous avez plus de points de vie, plus d'armure. Donc vraiment c'est un mode assez on va dire un peu plus compliqué. Vous voyez que là, ben là on est littéralement dans mine, si je me trompe pas. Non, on est à côté de mine plutôt. Mais en tout cas, voilà, vous voyez actuellement le mode derrière. C'est vraiment dans ce mode-là qu'il faudra absolument faire les fameux défis. Sinon, vous ne pourrez pas récupérer les différentes récompenses. Vous avez vu à droite, bonus de réalisation. La récompense bonus qui est le camouflage, donc que vous voyez ici, le métal liquide. Alors, pour le récupérer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement réaliser
tous les défis au complet. Alors, soit vous réalisez tous les défis, vous avez la récompense finale, soit vous réalisez que quelques défis qui sont plutôt simples. Hein. On va dire qu'on va pas se mentir, qu'en fait, les défis s'endurcissent au fur et à mesure qu'on avance et au début, et les récompenses également deviennent plus intéressantes à récupérer. Donc, plus vous avancez, plus ça va devenir difficile. Donc, vous pouvez également faire un mix entre les deux. Ça veut dire que vous pouvez juste uniquement faire jusqu'au camouflage. En réalité, c'est le camouflage qui est quand même assez intéressant. Hein. Le camouflage métal liquide qui est juste ici. Après, les doubles XP, on s'en fout un petit peu. Et les cartes de visite, soit vous les récupérez ou pas, mais dans tous les cas, en vrai, jusqu'à la carte de visite dans le top 10, en vrai, tout le monde peut le faire assez facilement, assez rapidement, faire un top 10 en campant ou quoi que ce soit. Ça marche très très bien pour récupérer au moins des récompenses. Après, pour aller jusqu'au 4 top 1, pardon, pour avoir le bonus de passe de combat, là, c'est un petit peu plus complexe. Ça sera à vous de voir, est-ce que vous voulez tryhard le mode pour essayer d'arriver jusque là? Est-ce que vous voulez tryhard le mode parce que il vous plaît et donc vous voulez et en même temps, donc, vous réalisez les défis? Ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, voilà, le mode est actuellement en jeu. Il reste pendant 12 jours et 17 heures, ça veut dire à peu près pratiquement 13 jours. Vous pouvez récupérer toutes ces récompenses-là en jeu uniquement, je vous le répète, dans le mode Titan, Titanium, donc dans le mode épreuve de Titan Endurance. Sinon, dans les autres modes, ça ne fonctionne pas. Dans le mode Battle Royale, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement dans ce nouveau mode tout rouge qui est au top, donc, de la fiche. Si vous ne faites pas ce mode-là, vous ne pourrez pas débloquer les défis et évoluer également dans ces défis pour avoir un maximum de récompenses. Donc ne vous trompez pas, allez dans ce mode là après voilà, soit vous voulez, soit vous le voulez pas, mais dans tous les cas, vous avez un pack Terminator complet pour l'événement gratuit à récupérer sur Warzone. Actuellement, vous avez énormément de récompenses, donc vous avez pas mal de récompenses à récupérer gratuitement avant qu'il ne soit trop tard sur le jeu pour l'événement donc de Terminator. L'événement Terminator est arrivé avec la collaboration qui est arrivée en jeu, et maintenant donc on a l'événement qui est en jeu avec son nouveau mode temporaire bien évidemment, mais en plus avec pas mal de récompenses à aller récupérer totalement gratuitement, et ça qui est vraiment très intéressant. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, 9 récompenses à récupérer, donc 9 récompenses à récupérer totalement gratuitement, c'est quand même pas rien et il faut absolument aller les récupérer. On n'a pas souvent des trucs gratuits, donc quand on a des packs gratuits, des récompenses gratuites, il faut aller vraiment les récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Après voilà, là le seul petit bémol, on va dire que c'est dans un mode dédié à l'événement, et donc il faudra obligatoirement le faire. Avant, souvent on avait en fait les quêtes et les défis pour avoir des récompenses directement dans le Battle Royale de base. Par exemple dans Caldera, on avait avant directement les défis. Là, faudra aller dans un mode bien spécifique, un mode plus endurci plutôt, plus compliqué à gérer, puisque vous avez beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus de choses, rien n'est gratuit. Donc c'est un mode très complexe, très, on va dire comme je dis, un réaliste, très compliqué, très avec beaucoup de difficultés. Donc il faudra avoir la foi d'aller faire tous les défis dans ce mode là, les réussir et ensuite pouvoir débloquer un maximum de récompenses et ainsi donc pouvoir tout débloquer et terminer donc l'événement qui reste, comme je dis, encore 12 jours et 17 heures, mais dans tous les cas vous avez à peu près 13 jours pour pouvoir donc débloquer le maximum de récompenses. Et l'événement reste donc jusqu'au 24 août, donc d'aujourd'hui jusqu'au 24 août, vous pourrez aller donc faire ces fameux défi et ainsi donc pouvoir débloquer énormément de récompenses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube, donc il y aura énormément de tutos, de vidéos qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour suivre ce qui va arriver prochainement en vous abonnant à la chaîne YouTube. En description, vous avez énormément de choses. Vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch. On en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait également pas mal de choses et on joue ensemble. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et sur le compte Twitter, vous avez énormément d'informations au niveau des dernières vidéos, des derniers lives. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en description, à les suivre pour booster un maximum de machin. En tout cas, merci à ceux qui le feront. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.